Bonjour, bonjour à tous. Une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Il s'agit du couscous, des graines de couscous faciles et rapides à faire. Nous aurons besoin de 500 g de graines moyennes. Nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel et 1 litre d'eau. Nous allons mettre notre litre d'eau dans une bouilloire et le laisser bouillir. Dans un saladier, nous allons verser les 500 g de graines de couscous moyen. Et il faut dire que c'est une recette facile et rapide à faire pour les jours où vous rentrez du boulot étant bien fatigué et que vous ne voulez pas cuisiner. Vous le faites et vous pouvez le consommer avec la sauce de votre choix. Vous pouvez même le consommer juste avec des fruits. C'est comme vous voulez. Là, je vous montre la recette rapide et facile. Nous allons ajouter notre sel, notre huile d'olive. Vraiment, c'est une alternative pour ceux qui aiment manger du riz, des pâtes, pour avoir un autre choix, vous pouvez utiliser aussi la semoule, le couscous et le faire comme ça, vous aurez l'impression de manger du riz ou des pâtes. Comme je l'ai dit, nous aurons besoin d'un litre d'eau que nous allons mettre en deux temps. Nous allons d'abord mettre la moitié. Et puisque le couscous absorbe facilement et rapidement l'eau, nous allons commencer par mettre la moitié. Et avec cette moitié, nous allons mélanger les ingrédients. Et une fois que nous aurons mélangé nos ingrédients, le sel, l'huile d'olive, la semoule, nous allons nous rendre compte que elle va absorber rapidement l'eau que nous venons de mettre. Et nous allons ajouter ensuite l'autre moitié, un autre demi-litre d'eau. Et nous allons laisser reposer. Nous allons couvrir notre saladier soit avec un couvercle, soit avec une serviette bien propre et nous allons laisser reposer 20 à 30 minutes. Vraiment, tout dépend de votre temps. Si vous êtes très pressé, 20 minutes, ça va. Alors, pour ceux qui ne sont pas très pressés, vous pouvez le laisser 30 minutes et passer à table. Bon, après les 20 minutes, nous aurons juste à l'ouvrir et à l'aide d'une fourchette, nous allons venir travailler notre couscous afin de le mettre en grains pour qu'il ne soit pas compact, que nous ayons les graines comme vous pouvez le voir. Et nous allons nous rendre compte que ça va doubler au lieu de 500 grammes comme au début, nous aurons à peu près le double. Et là, il est prêt à être dégusté avec la sauce de votre choix. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Bon appétit à tous et essayez la recette. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé.